un arbre fourchu. Je dois trouver un arbre fourchu. Donc ça veut dire qu'il est par ici. Ah, celui-là peut-être. Ils appellent ça fourchu. Et ils mourent. Non. J'ai été le voir celui-là. Je vais avancer, donc peut-être me dire, donner la direction vraiment plus précise. Un arbre fourchu. Je dois trouver un arbre fourchu. Bah, ils mettent bien celui-là en plein visuel, mais... Bon. Ah bah alors là, je ne vois rien.
Si on allait voir dessous là. Ah bah je passe pas de toute façon. Et puis il veut pas galoper, hein. Là-bas? Il est bien fourchu celui-là. Ce serait pas le mort là-bas? La fourche du diable. Ah, ça y est. L'endroit que j'ai vu dans mes visions. Après 3 heures. Et puis il était en plein sur le chemin. Pas assez visible. Allez, tu y es presque. Ça va être encore des souvenirs? Non. Des pierres. Il y en avait 3 endroits. Des masques. Des masques rituels. Ils ont été tués par l'entité. Merci, Aiden. Bizarre.
Celui-là n'a pas de talisman. La grand-mère. Le cinquième talisman. Il l'a mis autour du cou du bébé. Aide-moi, Aiden. Il faut que je voie ce qui est arrivé. J'ai l'impression que tout est mélangé. On dirait qu'il manque quelque chose. Je vais montrer le talisman à Paul. Il sait peut-être quelque chose. Un homme dans un cercle. Bon, est-ce que je vais mettre moins de temps à retrouver le chemin? Ah bah. Et la tempête qui arrive. Mais pourquoi tu veux hein? Allez, avance. On a essayé de rentrer, mais papa... Papa est tombé. Ramène la caisse. Elle Aiden, démarre. Il peut pas l'aider. Elle démarre maintenant, saloperie. Elle démarre pas, Jay. Elle démarre pas. L'entité en vient par là. On doit regagner la maison. Je pense pas que ça nous aide. On n'a pas d'autre choix. Mon père l'a dit, on ne peut pas battre un esprit. Mais je dois pouvoir le sauver, moi. Ah, je suis trop loin. Allez, rentre. Il est où? Non, je peux pas. Allons parler à la grand-mère. Oh, cette couverture. C'est celle qui était sur ce bébé. Ma mère me l'a donnée. Comme sa mère avant elle. Elle m'a aussi donné ceci. Le cinquième talisman.
que tout a commencé. Je dois bien regarder, mémoriser tous les détails. Ils sont 5, il y a le bonhomme dans le rond. Ici. Ils étaient perdus, pleins de haine envers l'homme blanc. Ils l'ont appelé pour tuer leurs ennemis et prendre leur revanche. Mais ils sont pris à eux. Il avait encore soif, soif de sang. Et Itso est revenu. Il est là pour prendre nos vies. Vos ancêtres. Ce sont les gardiens qui protègent la maison, pas vrai? Ils ont compris leur erreur, alors ils sont revenus pour nous protéger contre le mal qu'ils avaient libéré. S'ils ont amené l'entité ici, enfin, il doit bien y avoir un moyen de la renvoyer dans son monde. Ils ont suivi un rituel pour ouvrir le passage. Je me souviens encore de l'incantation, mais le rituel s'est perdu dans le passé. Je l'ai vu. J'ai vu le rituel dans ma vision. Je vais le préparer et vous pourrez m'aider à dire l'incantation. Fais vite! Il arrive. Ne me mets pas la pression. Un feu. Je dois allumer un feu juste devant la maison. Sinon, il y a Aiden. Peut-être lui qui va faire l'étincelle. Oh bah. Jody, c'est quoi ce bordel? Crois-moi! Je sais ce que Jody, je fais! Jody, il faut qu'on y aille! La tempête arrive! Laisse-la faire, Jay! Shimasani? Tu peux parler? Vite, Jody! Tu dois trouver un bâton pour tracer les signes! Oui, bah ils sont là. Les signes! Ah! Il faut être 5. C'est exactement ça. Ok. Maintenant, chacun de vous doit se placer près d'un talisman. Il doit y avoir une âme rattachée à chacun d'eux. Il manque. Ah!
Eh oui. Shimasani! Ah merde! J'ai tué la grand-mère. Aucun homme blanc n'est jamais allé à l'endroit où je t'emmène. Mon peuple y enterre ses morts depuis plusieurs centaines d'années. Pour nous, c'est un lieu sacré. J'ai la couverture avec moi. J'avais pas fait attention derrière. Allez, avance. Bah tourne. Ah bah quand même. Pourquoi ils sont tous les deux? Oh, Paul est mort aussi. Bordel, qu'est-ce que j'ai foutu? Ce sont les ossements de vos ancêtres. Je suis sûr qu'ils auraient souhaité être enterrés auprès de leur peuple. Non, ce n'est pas ta faute. Mon père est avec Shimasani et ses ancêtres. Il est bien où il est.
Ah, mais... Je vais pas y arriver. Ah, c'est moi. Rattaché avec Aiden. Ta décision est prise. Tu t'en vas? J'ai encore quelques trucs à régler. Des trucs de mon passé. Je crois que je suis prête à les affronter. Tu as fait beaucoup pour nous, Jody. Pour nous et pour notre peuple. Si tu ne trouves pas ce que tu cherches, reviens nous voir. Tu es chez toi ici. Jamais, Cory. Ashki, tu vas lui manquer. Mais je reviendrai le voir un jour. Ah! Y aller à pied. Ça m'a pris un peu de la dernière fois que j'ai fait de la moto, c'est pas super bien passé. Je suis fini au commissariat. Vas-y. Prends-la. C'est notre façon de te remercier. Un chapitre plutôt long. Aiden a exploré la maison, oui. Moto non réparée. Ah bon, je pouvais réparer la moto un moment. Je suis parti avec quand même. Vérité dit à Jay, oui. Rituel accompli. Rester à l'intérieur, donc ça doit être la chambre la première nuit, ça. Sauvé par les fantômes. N'a pas sauvé Paul, donc Paul, je pouvais le sauver. Et Jay a enlacé avant de partir, donc là, je pouvais l'embrasser. C'était l'un ou l'autre. Mais j'aurais pu sauver Paul. Le reste... ouais, moto, je vois pas du tout quand c'était. Ben, j'ai exploré la maison avec Aiden, mais j'ai pas trouvé de bonus. Donc j'aurais pu ouais, sortir la première fois de la première nuit. Et j'aurais pu être sauvé. Me sauver par quoi?
tout seul ou par Hayden, ouais. Alors pour Paul, pourtant j'ai été le voir, Paul, après qu'on soit rentré pour essayer de le soigner.